Bâti sur une superficie de 28 hectares, le marché de Gros de Boaké est situé en plein cœur de la cité de Boaké. Précisément, au quartier de Gouba et aux abords de la voie principale, la Nationale A3. Du sud vers le nord, cette route traverse Boaké et mène à Katiola, la prochaine ville, sur cet axe. Officiellement, c'est le 16 avril 1998 que le marché de Gros de Boaké a été inauguré. Cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et l'Union européenne pour son exploitation et son développement, le MGB a été concédé à une société d'économie mixte au capital de 100 millions de francs CFA. Véritable joyau architectural, le marché de Gros est le seul en Afrique subsaharienne. La zone d'influence immédiate du marché de Gros s'étend sur le territoire du district de la vallée du Bandama. Cet outil de développement économique offre 9 grandes filières de produits vivriers, à savoir l'igname toute variété, le manioc frais, les céréales, fruits coco, légumes, cola, bananes plantains, oignons et les dérivés du manioc qui sont latiké, pâte, farine, amidon. À sa création, le marché de Gros de Boaké avait pour objectifs généraux l'amélioration des revenus des producteurs en augmentant le prix d'achat de leur production, mais également augmenter les quantités des produits mis sur le marché. Cela devrait faire baisser le prix des ventes aux consommateurs dans le but de leur permettre de mieux se nourrir en termes de quantité et de meilleur rapport qualité-prix. La Côte d'Ivoire a décidé, depuis les années 80, de la création d'un réseau de marché. Et c'est en 1998, que la première loi a été prise, c'est-à-dire la loi numéro 98-758 du 23 décembre 1998, portant création des réseaux de marché national de Côte d'Ivoire. Et dans cette loi, il y a deux décrets qui ont été pris. Le premier décret porte organisation, fonctionnement et gestion du marché de Gros de Boaké, qui est le décret 99-445 du 7 juillet 1999. Et il y a le second décret, qui est le décret 99-446 du 7 juillet 1999, qui porte classement du marché de Gros de Boaké comme marché d'intérêt national. Ce même décret institue un périmètre de protection, un périmètre dans lequel le Gros est admis. Mais le périmètre du marché de Gros définit quel environnement. Avant, on disait le département de Boaké. Et après, ça a évolué, c'était la vallée du Bandama. Après, on dit non, la région de Boaké. Mais nous nous sommes résumés à la vallée du Bandama, c'est-à-dire qu'il prend Boaké, Béoumi, Sakassou, Botro, Djebonois et Diabo, Brobo, tout ça. Donc, dans ces localités, on ne peut pas faire du Gros. Alors, donc, celui qui est pris en train de faire du Gros dans ces lieux-là est frappé par la loi. Après 10 années de crise, bon, il y a beaucoup d'habitudes qui se sont installées au niveau des grossistes. Il y a beaucoup qui sont sortis de ce marché. Nous avons demandé à notre conseil d'administration de faire en sorte que ce périmètre-là soit réappliqué avec, bien sûr, l'autorité préfectorale qui est même le garant et même la tutelle de ce marché qui a donné son accord. Et comme on ne peut pas l'appliquer brutalement, nous sommes passés par des phases de sensibilisation. Maintenant, le marché de Gros va commencer à fonctionner officiellement. Il faut reprendre ses places. Il faut reprendre les habitudes comme on avait avant, de venir s'approvisionner ici, de venir ravitailler ici quand on veut faire du Gros et non ailleurs. Lorsqu'on veut faire l'exportation de produits vivriers de Côte d'Ivoire, il faut faire le lever des déclarations au bureau de douane du marché de Gros de Boaké. Pourtant, 15 ans après sa création, le marché de Gros de Boaké est confronté à d'énormes difficultés en partie dues du fait de la longue crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Au nombre de ces difficultés, on peut citer entre autres la fuite massive de ses commerçants grossistes et le non-respect de son périmètre de protection. Bi flasi ba bro sini moko son lo fiye le lola moko kren ta te lo fiye don comme anu bra la amaka comme an kren petalo Côte d'Ivoire be atale lo fiye Boaké be atale lo fiye mena ma be kren ma ya ka do lo fiye kono ante se ka ko moko o mra aya doni lo nanu no be bo ta dugula ka mobrita ka te me ka ta doni san tout kono amadi anye
Nous sommes conscients que notre place au marché de gros. Nous avons fait un petit point là-bas où nous préparons la checker déjà pour vendre. Mais avec les machines, l'installation que nous avons ici, il est difficile qu'on nous partons. Mais je crois qu'avec l'aide du marché de gros, on va s'installer là-bas. Face à ces difficultés, des actions de sensibilisation sont multipliées auprès des commerçants des marchés périphériques par l'équipe dirigeante du marché de gros pour leur expliquer la mission du dit marché. Ainsi, les ventes et les achats en gros sont exclusivement réservés aux grossistes exerçant au sein du marché de gros dans le cadre du périmètre de protection. Il faut savoir que si vous êtes au marché de gros, toutes les femmes qui font le détail ici, là, c'est là-bas qu'elles vont aller s'approvisionner. Donc, toutes les femmes qui font l'ogodougou, quand elles vont venir, la police sera dans les différents corridors. Pour les faire rentrer directement, on va faire rentrer directement leur camion au marché de gros. Et c'est là-bas que vous allez aller acheter vos maniocs, vos bananes pour venir vendre ici. Il faut que vous compreniez ça, c'est très important. Et ceux qui vont faire, qui vont rassembler un peu de bananes ici, un peu de manioc ici, pour dire je vais envoyer à Abidjan, je vais envoyer quelque part, quand on va vous attraper au corridor, on va vous ramener au marché de gros. Alors comme nous, on ne veut pas que vous gâtez de l'argent, on vient vous informer. Il faut que vous arrangez à rentrer au marché de gros. Qu'est-ce que vous gagnez si vous arrivez au marché de gros? Sachez que, avec la politique que nous sommes en train de mener, il va y avoir beaucoup de clients là-bas. Pratiquement tout le monde sera là-bas. Donc le marché sera aussi fourni comme ici. Il y aura beaucoup de monde comme ici. Mais il y aura aussi des clients qui vont venir des pays de la sous-région, du Burkina, du Mali, du Niger. Ces actions visent à faire la promotion et à faire bénéficier plusieurs avantages aux commerçants grossistes respectant ces consignes. Ce sont entre autres la création de la transparence du marché par l'élimination des faux frais et des nombreux intermédiaires, la facilitation de l'activité commerciale en professionnalisant les vendeurs et les acheteurs par la mise à leur disposition d'un cadre de travail moderne et sécurisé qui leur offre de multiples services, notamment assurance, banque, microcrédit, transport, douane, police. Vu l'importance de ce marché qui est une fierté au niveau de la sous-région, nous avons pour devoir de pouvoir accompagner les activités de ce marché pour que cela ait un rayonnement sur la ville, sur le plan économique, mais aussi que cela soit un modèle pour la sous-région. Que les opérateurs économiques puissent tirer le meilleur parti au niveau de ces activités-là et que nous puissions travailler en étroite collaboration, en bonne intelligence, pour que les uns les autres puissent apporter leur contribution pour, je dirais, le succès des activités de ce marché. En ce qui concerne le retour du marché de gros, ce que je peux dire, c'est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire émergente. Dans le cadre du PACI, pouvoir et avoir des statistiques d'abord, ensuite pouvoir industrialiser tous nos marchés ou ne serait-ce que des embryons d'industrialisation de nos produits vivriers pour pouvoir conquérir d'autres espaces économiques. Beaucoup de nos frères du Mali, du Burkina, du Niger consomment, quittent la banane, le manioc, la cola, etc. En ce qui concerne la douane, nous, c'est une fierté pour nous. D'abord, au point de vue statistique, cela nous permet d'avoir quand même des données fiables. Ensuite, pouvoir avoir certains droits sur certains produits tels que la cola, qui paye des droits à l'État de Côte d'Ivoire. Nous leur devons assistance parce que c'est nos partenaires de tous les jours. Et nous leur apportons notre soutien et à travers nous, l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire pour faire de ce marché de gros un creuset national. Des atouts qui intéressent les commerçants, mais ceux-ci posent des préoccupations qui représentent un frein à leur retour au marché de gros, à savoir la concurrence déloyale. Pour cela,
les commerçants souhaitent des garanties. Aujourd'hui, on se rend compte que au lieu de venir se ravitailler au marché de gros, ils vont se ravitailler au bord champ. Nous pensons que ça, c'est pas normal. Il faudra qu'on réacte tout le monde sur le marché de gros. Par rapport au permis de protection, je pense que c'est un truc qui est la bienvenue. Il faudra que le gouvernement prenne ça en cœur. Il faut qu'il se batte pour ça. On souhaite que le gouvernement fasse tout possible pour qu'au marché de gros, si on a un papier, si on prend ça, on va vers le Mali, vers le Burkina, pour que les gens aient des problèmes. Ils n'ont pas d'amendement envers la gendarmerie, la douane, la police. Je pense que le marché de gros fera une fierté dans la sous-région. Le transport fait partie prenante de la commercialisation des produits que l'on trouve au marché de gros. Cependant, les transporteurs qui comptent apporter leur contribution à sa bonne marche doivent organiser cette corporation en vue d'être plus opérationnels. Parce qu'avec la crise, les camions sont vieillissants. Les camions ont pris un grand coup. Donc, avec ce qu'on a, avec les moyens de bord, je crois qu'on peut répondre aux besoins actuels du marché de gros, tout en renouvelant nos parcs et tout en espérant, comme le gouvernement l'a dit dans son temps, qu'il va nous aider, que cette aide vienne le plus rapidement possible pour qu'on puisse renouveler le parc, enfin d'être plus efficace sur le terrain. Il y a une concurrence déloyale, ça fait qu'on n'arrive pas à rentabiliser nos activités. Ces camions non nationaux, qui viennent, qui transportent plus que nous-mêmes dans notre zone. Parce que n'y a rien à perdre, des passages, ils nous font une concurrence déloyale. Ils ne payent pas des taxes ici, ils ne prennent pas le carburant ici, rien. Nous sommes là et puis ils prennent à moins de coûts. On a déjà tenu une réunion avec le marché de gros. On espère qu'avec la reprise sur l'allèle, vraiment, ça va aller de l'avant. On va s'organiser mieux. Et avec l'appui des autorités, on espère que ça va aller. En ce qui concerne les atouts, le marché de gros de Boaké s'est offert les moyens de ses ambitions. À ce titre, il dispose de 28 hectares de terrain, dont 14 aménagés sur lesquels 10 hectares sont dûment équipés. De 370 magasins de vivriers, avec chacun 18 mètres carrés clos, couverts et 15 mètres carrés d'aide d'exposition. D'un entrepôt de 1000 mètres carrés et de 20 000 mètres carrés de dallage pour parking. De 7 km de route bitumée. De 4 maquis pour la restauration, d'une infirmerie, d'un réseau de téléphones, des dispositions sécuritaires de lutte contre les incendies et de prévention contre les vols sont de mise. Aujourd'hui, la normalité étant de retour à Boaké, le marché de gros va à la conquête des ambitions qu'il s'est fixées à sa création. Une contribution citoyenne de tous est souhaitée pour mettre fin à la fuite frauduleuse de production locale vers les pays limitrophes. Fuite qui tue l'économie ivoirienne et représente un danger dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire pour le bien-être des millions de consommateurs vivant en Côte d'Ivoire.